Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog et cette nouvelle journée qui va être entre guillemets, comment je pourrais vous dire clairement, l'adieu de 2021 et qu'est-ce que m'a apporté l'année 2021. Alors, soyons clairement, l'année 2021 a été pour moi quelque chose, on va dire, de bien, parce que clairement, j'ai passé de bons moments via vos messages, c'est surtout pour vous, via mon message. Il y a eu, début de l'année, on était bien, il y avait d'autres personnes à part d'autres personnes que vous. Que était avant présent avant vous. Il y a eu des hauts et des bas, mais d'autres personnes sont arrivées que avec cela, il n'y a pas eu de hauts et des bas. Ceux qui sont là étaient des gens qui me comprenaient quand même. Donc, il y a ça aussi. D'un autre côté, je trouve que cette année-ci devrait être une année un peu plus mieux, en espérant que l'année passée. C'est vrai que pour moi, cette année-ci a été un petit peu catastrophique avec le Covid-19, malgré qu'il est toujours avec nous, où vous avez les enfants qui est, des fois, ils sont en congé, des fois, ils sont pas en congé, des fois, les enfants sont à l'école, des fois, les enfants sont pas à l'école. Nous, n'étant maman, nous ne savons plus quoi. Hein? J'espère que cette année-ci ne sera pas comme l'année passée, avec des hauts et des bas. C'est les enfants restent ici, les enfants vont à l'école, les enfants ci. Comprenez le chamboulement de Covid-19. Hein? Bon, on va attendre ici, à ce qui paraît, on doit attendre la réponse du 3 janvier pour savoir quoi. Alors, je sais que très bien d'entre vous, recommence niveau des enfants, recommence l'école lundi. Je vous souhaite à vous et à tous une bonne année et une bonne santé. J'espère que vous avez quand même bien profité de votre début d'année 2022. Vous avez pu bien dire au revoir à 2021. Et bon, autant vous dire les messages que vous m'avez donnés niveau ma dernière vidéo était quand même pour moi quelque chose de magique. Vous m'avez donné des messages touchants, même bien avant, hein, en 2021. Il y a des moments où vous m'avez donné des messages touchants, des messages des gens qui ont pu me comprendre, qui ont pu me donner des petits indices, qui ont pu m'encourager, on va dire, hein, clairement. Il n'y a pas eu de méchanceté, c'est génial, je trouve ça génial. Hein. Alors, on va commencer aussi, on fait les deux, hein, je vous dis, on fait les deux, on fait le bon et le bien niveau des deux. Des deux 2021 et de 2022, vous savez très bien. Donc, j'espère que d'une chose aussi, l'année qui arrive aura une année peut-être en espérant, hein, en espérant que ce sera une année explosive, festive, et pas une année triste. En espérant que cette année-ci, j'aurai pas de boulettes comme j'ai eu, avec
Mon four, ma tonne, elle est retirée. Hein. Je vous avoue qu'elle est retirée. J'ai retiré toute ma tonnelle. Moi et ma fille, on a retiré toute la tonnelle. On l'a retirée. Donc, elle est retirée. Donc, en espérant qu'il n'y aura pas de bêtises, renouveau avec le four que j'aurai. Tonnelle. Aquarium. Ouais, ma gonderie. Ouais. Nanissu a rangé mon aquarium, en espérant que je pourrai m'en trouver un nouveau. Voilà. Hein? Donc, faudrait une nouvelle tonnelle. Bon, nouvelle tonnelle, ça on peut attendre au mois de septembre. Hein? Au mois de juillet. Voyez? Non, janvier. Attends, janvier, juillet. Attends, juillet, janvier, août. Ouais, au mois de janvier. Ou au mois avant le mois de janvier. Vous voyez le mois qu'il y a avant le mois de janvier? Je ne sais plus si c'est le mois de... Non. Vous le voyez, ce mois-là? Ben, c'est ce mois-là, hein. C'est ce mois-là, ben, peut-être qu'on irait chercher la tonnelle à ce moment-là. Hein? Avant l'été, hein. Pour dire que l'été... Je crois que c'est le mois de mai. Ou le mois d'avril. Je ne sais plus. Donc, parce que c'est le mois de mars. Je ne sais plus. Donc, je commence bien la nouvelle année, je vous avoue. Donc, peut-être à ce moment-là que peut-être on achèterait la nouvelle tonnelle pour la mettre. On essaierait d'arranger, je vous dis. L'ancienne tonnelle, j'ai vu des trous comme ça. C'est arraché comme ça des deux côtés. On voyait bien qu'elle ne tenait plus. Hein. On voyait bien que c'était de l'aluminium. Je vous avoue, c'était de l'aluminium. Donc, voilà. En espérant que celle-ci, au moins, elle tiendra. Qu'on n'aura pas de problème, qu'on n'aura pas de boulettes et que ce sera facile ou quoi que ce soit. Si bien pour le four, en espérant que j'aurai pas de soucis, mais il faut dire aussi la cuisinière, ça faisait presque bien plus que longtemps que j'avais ici en question. Hein, donc voilà. Donc, ce qu'il va avoir, c'est que cette année-ci, on va avoir un nouveau four, nouvelle cuisinière. En espérant racheter aussi un nouvel aquarium pour les poissons, en espérant aussi acheter. Tu es bien mis, toi? Et un crapaud. En espérant racheter des nouvelles choses, de vous faire peut-être. En espérant, c'est ce qu'on espère, hein. Bon, c'est un grand mot, Inch'Allah, comme beaucoup d'entre vous vont me dire, Inch'Allah. Hein, alors, j'espère que d'un côté, cette année-ci, j'espère que je vais atteindre, comme beaucoup d'entre vous m'ont dit, j'espère que je vais atteindre mes 2000, c'est ça? Non, mes 1000 abonnés. Voilà, mes 1000 abonnés. Déjà, si je sais déjà atteindre mes 200 abonnés, c'est déjà bien. Mais mes 1000, hein? Même mes 1000. Déjà que j'étais déjà à 200, à 100, il y a début de cette année-ci. Début de cette année-ci, je suis arrivée à 100. Si je sais déjà arriver à mes 200 au moment de cette année-ci, mais je suis bien partie. Mais je suis bien partie, mes amis. Maintenant, si j'atteins les 1000, ça sera encore mieux. Hein. On fait un fiesta, hein. Boum, boum. On fait fiesta, boum, boum, via caméra. Via. Ah ben ouais. On fait fiesta, boum, boum, via. On fait un live, on fait. Bon bon, ma blé blé oh, c'est bon bon bon, ma blé blé oh. Bon, faut arriver là, mes amis, vous avouez, il faut arriver là. On dirait qu'il va se tuer ou qu'il va tomber, quelque chose comme ça, là, gros lard, là. Vous savez? Hein? Et comme ça, on dirait un pendu, avec son pet en l'air et le restant. Voyez là
Là, la bouboule de poil, là. Celui-là. Bon, bref. On continue. Ce qu'il y a aussi, c'est que d'un côté, j'espère que cette année-ci ne sera pas à la fin de cette année-ci. On n'apprendra pas non plus des mauvaises. Comment? Des mauvais malheurs comme on a appris, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont dû la connaître malheureusement, pris à son âme, dans l'ancienne youtubeuse Mamachou Maïva, qui a quitté ses personnes avant Noël, avant Nouvel An. En espérant que cette année-ci ne sera pas comme l'année passée, hein, prendre ça en fin de moment. Vous allez me dire, bon, c'est vrai que d'autres personnes passent, tout plein de personnes passent par là, hein. Voilà, la vie, on ne dure que d'une pièce, hein. On est une pièce, hein, nous, quand vous réfléchissez. C'est comme nous, on serait nous, on est ainsi, mais après, voilà, on ne vit que d'une pièce. Hein. On est, moi j'ai toujours dit, on était bébé, on repart bébé. C'est tout. Donc, et quand vous réfléchissez, il y en a pour certains, oui, pour certains, d'autres, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, hein. C'est la vie. Ce qu'il y a, c'est que d'un côté, il faut arrêter tous les propos comme elle a eu, le bordel comme elle a eu, et que voilà, hein. C'est pour ça que maintenant, autant vous dire, ça m'a foutu aussi une claque, hein. Je vous avoue, ça m'a foutu aussi une claque, parce que ça me fait réfléchir. D'un côté, à qu'est-ce que je pourrais vous dire, à vous, étant spectateur, qui regarde mes vidéos, à qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux pas vous dire via les réseaux sociaux. Bon, hein, je bois une jardin. Ce qui pourrait aussi arriver, c'est que qu'il y a, ce que j'ai peur entre vous, clairement, c'est des fois avoir un peu de blues, vous savez, et qu'il y a des fois je me dis, est-ce que je le relâche ou pas? Mais ce qu'il faudrait, c'est que via mes messages, je devrais pas en lâcher. C'est une retenue. C'est vrai qu'il y a des fois, on ne s'attend jamais et on lâche. Et on lâche. Mais il y a certaines choses qu'on voit sur le net, des fois qui nous fichent une claque et nous fait réfléchir. J'espère que cette année-ci, pour moi, va être aussi une année où je vais plus réfléchir mieux que l'année passée. Voyez. Hein, comme on saute d'une année à une autre maintenant. Hein, on a ouvert le globe 2022. En espérant que l'année 2022 sera mieux que l'année 2021. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Voilà, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, hein? En espérant que l'année 2021 sera mieux que l'année ouais, vous m'auriez vu un peu, mais non, bon, hein, un peu autrement ou quoi que ce soit. J'ai envie de vous dire que
J'ai envie de faire plus pour vous. Oui. Beaucoup d'entre vous, je vais reprendre les derniers messages que vous m'avez quand même donnés. Beaucoup d'entre vous m'ont souhaité une bonne année et une bonne santé. Beaucoup d'entre vous m'ont souhaité avoir les millions d'abonnés. Donc je parle d'Instagram et de la dernière vidéo que je vous ai fait hier. Me souhaite les 1000 abonnés. Beaucoup d'entre vous souhaitent continuer les fous rires, les délires, que je continue mes vidéos telles comme ils sont. Donc je continuerai. Alors, certains d'entre vous m'ont dit vivement la FAQQ. La FAQQ, elle va arriver, vous inquiétez pas. La FAQ. Alors, moi, j'attends toujours les réponses pour le live course. Comme vous savez très bien que je veux faire un live course. Voir maintenant si ça vous intéresse tous. Parce que je n'ai eu qu'une personne qui m'a dit, c'est intéressant. Donc moi, je ne sais pas si vous autres, ça vous intéresse aussi les autres. Parce qu'il n'y a pas que pour moi, il y a aussi pour vous. Peut-être que ça va peut-être faut peut-être. Ah oui, comme ça. Oh, comme ça. Ah, mais même moi, quand je vais lire vos textes de votre liste course, peut-être ça va me faire tilt en me disant, ah, c'est vrai. Ah, oh, qui sait, hein? Et d'un côté, on peut parler d'autres choses, on peut parler d'une nouvelle aventure, parce que c'est vous qui me donnez des envies de faire une vidéo. Même moi, vous allez me dire, c'est pas ça. Même moi, je vous donne des indices pour rangement, pour nettoyage. Je suis en train de regarder même pour placement des meubles, pour nettoyage du frigo, pour... Comment s'occuper d'un chat? Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit comment tu t'occupes de ton chat, comment tu fais ça avec le chat, est-ce que tu peux nous donner des petits tuyaux, voyez, toutes sortes de petites choses comme ça. Et donc, beaucoup d'entre vous aussi aiment bien la déco, genre décorer, offrir, toutes sortes de petites choses ainsi. Et donc, voilà. Ce que j'ai oublié de vous montrer, par contre, c'est les cadeaux que j'ai eus par ma belle-mère qui est venue. C'est pas ma belle-mère, non. Voilà, c'est quelqu'un de la famille qui est venu et qui m'a. Parce que on a invité des gens le jour du Nouvel An. Et cette personne-là m'a offert un cadeau. Donc, elle a offert un cadeau à ma fille, elle a offert un cadeau à mon fils et elle m'a offert un cadeau aussi. Donc, à moi, elle m'a offert une boîte où il y avait du parfum et deux crèmes à l'intérieur. À ma fille, elle a offert une tablette de maquillage avec un sac et des pinceaux de maquillage et du parfum. Et à mon fils, elle a acheté une boîte, un peu le même style que moi, que j'avais acheté à mon fils, avec du parfum, du parfum, une crème à race à parfumer, et encore d'autres choses à l'intérieur. Donc on a eu tous un petit cadeau d'offert par eux. Que, bon, eux n'avaient rien offert, donc nous on l'a eu à Nouvel An, vous voyez. Et ensuite, voilà, en espérant que bon, l'année prochaine sera un peu mieux que cette année qui s'est passée et qu'il y aura moins de complications que prévu. J'essaierai de vous faire plus de fou rire que prévu. Je crois que là, on va atteindre bientôt les 200 abonnés parce que j'en suis déjà à 700,
700, je ne suis pas encore, hein, mais j'espère que d'une chose, je vais bientôt atteindre les 800 abonnés. Voilà. Clairement, je vais bientôt atteindre les 800 abonnés. Hein. Donc, comme ça, vous le saviez que je vais bientôt atteindre les 800 abonnés, en espérant que tout ira bien. Bon, ben voilà. Donc ici, mes amis, je ne vois pas vraiment pas qu'est-ce que je pourrais vous donner comme, comme message. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'année 2021 envers vous vous aura quand même plu. J'espère que aussi l'année 2022 sera mieux que l'année 2021. Ça, c'est, on le verra par après. Hein? Et c'est par après qu'on verra l'évolution de l'année 2022. Hein? Il n'y a que comme ça qu'on sait voir. Hein? Mais pour moi, je vous dis, via les recettes, parce que je sais qu'au début, j'avais fait des recettes et beaucoup ont aimé. Donc, les recettes vont bientôt revenir. Ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai un nouveau four, les recettes vont bientôt revenir. Donc ça, je compte vous faire aussi sans problème. Et voilà, donc tout ça, on compte en refaire, vous inquiétez pas pour ça. Et de toute façon, il va ici bientôt réavoir une invitation femme, hein, comme j'avais fait l'autre, comme on avait fait l'autre fois, comme moi j'ai été invitée. Il va avoir ça bientôt, il va avoir une vidéo, bien sûr, identique niveau menu pour les femmes. Ça, vous serez là pour le voir. Et puis voilà, hein, comprenez? Donc moi maintenant, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous êtes nouveau. Et on se retrouve pour un nouveau vlog. Mais qui sera quoi? La FAQ. Parce que autant vous dire que là maintenant, j'ai le droit de prendre des congés, de me reposer, de penser à moi et de penser à mes enfants. Hein? Allez. J'espère que tout ira bien pour vous. J'espère que vous avez eu de bons cadeaux. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien bu. Et bonne rentrée à tous les enfants qui ont bien sûr leur rentrée le lundi 3. Ma fille a encore une semaine de congé. Elle rentre le 10 à l'école. Que vos enfants à vous rentrent le 3. Donc moi, ma fille, elle doit attendre le 3 pour savoir c'est quand réellement qu'ils rentrent à l'école. Mais bon, elle, logiquement, elle doit rentrer le 10, mais elle ne rentrera pas le 10 parce elle doit aller faire une petite consultation. Hein. Donc elle rentrera le 11 en espérant que ce sera bien ce jour-là. Allez, moi je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas et on se retrouve pour... Allez, bisous.